Donc, vous aimez les histoires, hein? Un récit d'aventure au beau milieu des étoiles. Approchez, écoutez donc le vieux Marcus. J'ai justement de quoi vous faire rêver. Mon histoire commence ici, sur une planète reculée appelée Pandore. Pour beaucoup, ce n'est qu'une terre d'avarice et de violence. Ce qui n'est pas faux. Mais, à condition d'avoir un minimum de talent, elle peut aussi regorger d'opportunités. Les chasseurs de l'Arche. Ils fouillent ces zones reculées à la recherche de trésors aliens enfouis. Mon père me racontait déjà leurs aventures quand j'étais enfant. Et maintenant, c'est à mon tour. Vous vous demandez sûrement ce qu'on trouve dans ces arches. La gloire, la fortune, la puissance, ou bien des conneries comme la charité ou la famille. J'en sais rien, moi. Vous avez qu'à imaginer. Mais quoi qu'elle renferme, un chasseur de l'arche doit être assez déterminé pour arracher la victoire des mains jalouses du destin. Mon histoire du jour s'intéresse à un groupe bien spécial de chasseurs de l'arche, dont l'aventure débute à peine. Un groupe audacieux et affamé. Si je vous en parle, c'est peut-être qu'ils me font penser à vous. Mais juste un peu, je veux pas que ça vous monte à la tête. Ces nouveaux chasseurs de l'Arche répondent à l'appel d'une sirène. Cette sirène s'appelle Lilith, et c'est une véritable héroïne. Elle a sauvé Pandore au moins une dizaine de fois. Et aujourd'hui, elle cherche à former une équipe pour retrouver une carte. Une carte qui la mènera à toutes les arches de la galaxie. Mais elle n'est pas la seule à la chercher. Des forces maléfiques ont envahi la région. Une nouvelle menace, pire que ce que la galaxie a pu connaître jusqu'alors. Mon histoire commence ici, sur Pandore, avec nos nouveaux chasseurs de l'Arche, la sirène qui les guide, puis bien entendu... moi. Oh tiens, un nouveau chasseur de l'Arche. Moi, c'est Marcus. On peut dire que t'as choisi le bon moment pour rejoindre les pillards écarlates. Tiens, quelqu'un a survécu à l'attaque. Je suis Lilith, commandant des pillards écarlates. Les bandits que tu viens de combattre font partie d'une secte qui cherche la carte des arches. Mais toi et moi, on va la trouver avant eux. Mon éclaireur t'attend un peu plus loin. Bonne chance. Une voix dans ma tête. Bizarre. C'est ici que tu descends, moi. Bien. Attention, chérie, ça va looter. Essaie de rester en vie. Ça m'ennuierait de perdre un nouveau client. Et bienvenue sur Pandore. Ah, alors c'est toi la nouvelle recrue. Je suis un robot ciel 4PTP, mais tu peux m'appeler Général Claptrap des Pillards Écarlates. C'est quoi ton petit nom? Mose, artilleuse de première classe, ex-infanterie mécanisée de Vladov. Merci. Je vais te précommander une pierre tombale, on sait jamais. Donc, les Margoulins qui ont voulu te tuer, ce sont les descendants de l'Arche, une secte de bandits qui seraient prêts à se jeter d'une falaise pour leur leader cinglé. Ce qui me fait penser, si on veut que tu m'obéisses au doigt et à l'œil, il va te falloir un système écho. L'écho 3, légèrement plus puissant que l'écho 2 et deux fois plus cher. Sans compter que les causeux avaient un petit problème de combustion spontanée. Ils le vendent toujours, mais sous l'appellation générique de... grenade. Alors écoute-moi bien, la bleue souris. Lilith nous a demandé de capturer un centre de propagande des descendants de l'Arche. On va montrer à ces fanatiques que les pillards écarlates sont pas là pour badiner rigoler. Suis-moi, pour la gloire! Avant qu'on se mette en quête de vengeance, enregistre ton écho à cette station maudite éclair. Dès qu'on aura vaincu la secte, je serai célèbre. Et quand je signerai des autographes sur des nénés, je veux que t'aies l'air stylé tout en repoussant les hordes de fans qui se jetteront sur moi.
contrat d'utilisateur? Quel ennui! T'en fais pas, les grosses sociétés, le centre de propagande est par là! Une porte fermée? Non, c'est impossible! C'est toute la mission qui tombe à l'eau! Réfléchis, Claptrap. Vite! Tu es courageux et puissant! Et les gens font toujours ce que tu leur demandes! Ah, je sais! Recrue, ouvre cette porte! C'est un ordre de ton supérieur hiérarchique! C'est la meilleure recrue parmi tant d'autres. Saute, recrue. Le centre de propagande est droit devant. Ces cinglés massacrent les pillards à tour de bras. C'est vraiment des gros nullos. Mais j'ai un plan en béton cellulaire pour leur botter le trou du fion. J'ai caché des armes dans le coin. Fais pas de bruit et suis-moi comme une ombre. On va être furtifs. Je vais marcher jusqu'ici. Et je vais tourner. Et je vais aller jusqu'ici sans le moindre bruit sur la boîte. Un petit tour rapide, je suis trop discret. Je suis le robot le plus discret de tous les temps. Oh, c'était un peu fort. Doum 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 glissade furtive. Parfait. Quand la mission sera finie, l'élite sera obligée de me nommer super général. Recule. On n'avait pas dit furtif. C'est rien. Sur Pandore, c'est quand il n'y a pas d'explosion que tout le monde trouve ça bizarre. Prends ton arme, recrue. Tu vas en avoir besoin. Ces armes, un peu comme moi, ne sont pas liées à leur fonction principale. Je peux danser et chanter. Et certaines armes incluent aussi un mode de tir secondaire. Vas-y, essaie. Suis-moi, recrue. Attends là, je vais les convaincre de m'ouvrir, devenir leur roi, et ensuite tu les massacreras par surprise sans pitié. Admire le style, recrue. Eh oh! Y'a quelqu'un? Je suis Shiv, cet influenceur des descendants de l'Arche! Qu'est-ce que tu veux, tas de ferraille? Bonjour, cinglé assoiffé de sang. Je suis Claptrap, bourreau du destructeur et super général des pillards écarlates. Vous êtes complètement encerclés. Si vous nous ouvrez la porte, je ferai éventuellement preuve de clémence. Ouais! Laisse-moi réfléchir une seconde. Ils se font peut-être appeler les descendants de l'Arche, mais ça reste des bandits, et les bandits sont terriblement stupides. Ok, on veut bien se rendre. Pitié, loup du banc, tas de ferraille. C'est bien ce que je pensais. Ouvrez immédiatement les portes à votre nouveau roi. Doucement, doucement. Je vais sortir. Juste une seconde, voilà. On a réussi! J'ai réussi! Encore une victoire des pillards écarlates! Hé, je me sens bizarre! Qu'est-ce qui m'arrive? Ah! Ah! On porte du champion! Suis hérétique! Au nom des Calypso! Et ensuite, tu me revoudras ça.
je suis. C'est mon moment. Sers-toi de ces munitions pour tuer les méchants. J'attrape. J'ai transformé en pot de chambre. Et je te chierai dans la tête. Je sais que Claptrap peut être un peu Claptrap, mais c'est quand même l'un des nôtres. Tu vas devoir le sauver. Je te rejoins très vite. Sans protection. Cherche-toi un bouclier. Un bouclier. T'es invincible. Non, pas vraiment, mais ça devrait t'empêcher de mourir en un coup contre Shiv. Et maintenant au boulot, recrue. Hé, Shiv, tous tes crétins de copains sont morts. Je te défie dans un duel judiciaire. Mais comme je suis collé à cet aimant, c'est mon fidèle sbire qui te vaincra pour moi. À quoi, hérétique? J'ai pas encore mon quota de sacrifice pour la journée. Je vais aiguiser ma langue sur tes affaires. C'est bon pour le cingler avec un couteau. Il est super mort. Un point pour les pillards écarlates. Claptrap et toi, sécurisez la zone. Je suis en route. Recrue ? T'es en vie ? Si oui, fais-moi descendre ! Les commandes sont au premier étage ! Salut.
opération Club Trap de Troyes est une réussite totale. Et j'ai tout fait moi-même. J'en doute pas. Bon, puisque la secte a détruit toutes les autres forteresses des pillards, on va s'installer ici. Alors, comment tu t'appelles ? Mose. C'est toi la voix dans ma tête, pas vrai ? Ouais, je préfère te prévenir. C'est pas la chose la plus bizarre qui t'arrivera sur Pandore. Mais sérieusement, merci d'avoir répondu à mon appel. On n'est peut-être pas nombreux, mais avec une brutasse comme toi, on a une petite chance. Bienvenue chez les pillards écarlates. Pandore est une planète dangereuse. T'auras bien besoin de ce mode de grenade. Tu devrais t'en équiper avant qu'on commence. Préviens-moi quand ce sera fait. Prête à balancer des grenades et flinguer des cinglés. Très bien. Tiens, y'a que moi qui entends des hurlements. En voilà d'autres. Recrue, fais voir ce que t'as dans le ventre. Ils sont trop nombreux. On est foutus. Il faut qu'on ardent. La reine divine veut ta mort. Il faut qu'on ardent. Je me réveillerai dans un long sommeil. Je suis bien plus vieux que tu crois. Alors quoi, c'est tout? Beau combat, bravo. Très bien, on a un point stratégique. Le vent va peut-être enfin tourner. Toi, recrue, viens avec moi. Bon, je t'explique. Il y a quelque temps, on a trouvé une carte. Elle indiquait des arches partout dans la galaxie. Le rêve, pas vrai? Mais je me suis pas rendu compte que ça nous collait une cible énorme dans le dos. On s'est fait attaquer, la carte a disparu. Et depuis, je la cherche partout. Pas ici. J'étais tellement à fond dans mes recherches que j'ai pas vu Pandore changer. Alors que les clans de bandits s'étaient toujours massacrés pour le plaisir, cette fois, ils s'étaient tous assemblés sous une même bannière. Une secte. Les descendants de l'Arche. Exact. Allez, viens, on va jeter un œil. Ils ont à leur tête les jumeaux Calypso, et leurs fidèles les vénèrent comme des dieux. Ils sont persuadés que la carte va les conduire à ce qu'ils appellent la Grande Arche, et ils massacrent tous les gens qui tentent de s'opposer à eux. D'après la rumeur, un clan de bandits aurait trouvé un artefact alien dans le désert. C'est peut-être la carte. Et c'est ce qu'on est venu découvrir. C'est fermé. Mais c'est pas ça qui va arrêter une sirène. Dis donc, c'est que c'est bientôt la Saint-Mercenaire. Tu sais déjà ce que tu vas m'offrir? Je monte la garde. Oh, voilà. Mais qu'est-ce qu'on a là ? Steve ! Le clan des éclipseurs a récupéré la carte sacrée des arches ! Envoie nos fidèles, les invités à rejoindre la Sainte Famille ! Et fais vite ! Les dieux jumeaux sont affamés ! La carte, je le savais. On doit trouver les éclipseurs avant eux. Je vais ouvrir la porte. Viens, c'est par là. Je vais installer notre camp et trouver des infos sur les Calypso. Toi, trouve le chef de guerre des éclipseurs et fais ce qu'il faudra pour reprendre cette carte. Je vois que vous avez les choses en main. Bonne chance. Moi, je vais...
traîner dans les ordures. Bon alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, c'est vrai que c'est pas top, mais on n'a pas trop le choix pour l'instant. Et puis c'est pas la première fois que les pillards écarlates repartent de zéro. Mais c'est pas Sanctuary. Pourvu qu'Ellie nous fasse vite décoller...